Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une abonnée choisie, mon make-up. Donc, c'est vraiment la catégorie de vidéos que je préfère filmer, puisque c'est vous qui me lancez les idées. Et voilà. Donc, normalement, je le fais par tirage au sort, mais cette fois-ci, j'ai un petit peu triché. J'ai choisi, oui, de toute façon, en même temps, je fais ce que je veux. Déjà, de 1, c'est ma chaîne. Et de 2, I am the queen. Voilà. Donc, j'ai pris celui de Nymphe, de ma jolie petite Nymphe, puisque son idée m'inspirait vraiment. Je la trouvais totale de saison. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Voilà. Donc, Nymphe, c'est parti pour ton make-up thème tournesol. Donc, d'où la petite barrette de tournesol et le top jaune quand même, que vous avez beaucoup aimé dans mon haul, hein, Chine. Voilà. Donc, le blush pêche corail, c'est fait. Highlighter doré, c'est fait. J'ai mis celui-ci. Le blush, j'ai mis celui de la palette Anastasia Beverly Hills. Mais de toute façon, mes produits teints sont listés en barre d'infos. Donc, elle veut un semi-cut crease sur le thème tournesol. Alors, attention, c'est très précis avec Nymphe. Jaune mat sur la paupière mobile. Brun mat et noir en coin externe. Beige mat sur l'arcade, donc ça c'est déjà fait. Jaune pâle mat en coin interne. Donc je vais avoir un make-up total mat. Liner noir, rien dans le creux. Rouge à lèvres noir avec fard doré au centre en style de ombré. Et du gloss transparent sur le tout. Très 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 précise, hein, ma petite nymphe. Donc, je me suis déjà préparée. Je me rapproche et puis on attaque. Donc, je vais mettre ma petite pinceouille qui n'a rien à voir de l'autre côté pour tenir mes cheveux, pour pas qu'ils viennent dans ma face. Et là, j'ai l'air très con. Voilà. Alors, Nymphe nous disait donc un semi-cut crease, marron et noir en coin externe et jaune en paupière mobile et en coin interne. Tout en mat. Adieu la paillettasse, moi qui en mets partout. Je prends un pinceau boule assez fluffy, donc je prends le Boozy Shop et je vais commencer avec le Security qui est juste ici. Voilà, je vais faire le creux, le tour de mon œil quoi. Creux, coin externe. En plus, je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore cette palette, donc surtout pas les marrons d'ailleurs. Donc c'est l'occasion de voir ce que ça vaut. Un cheveu à la bouche. Donc là, comme c'est Nymphe, je vais pas pouvoir faire mon semi-cut crease de feignasse. Donc il va falloir que je cut mon crease avec la base. Alors, je prends un pinceau encore un peu plus souple et je vais prendre le Desert Vibes, ici qui est un sable, pour dégrader. Donc j'en prends pas trop parce qu'il est quand même assez pigmenté si ma mémoire est bonne. Donc je vais dégrader le marron avec cette teinte là. Donc je reprends le premier pinceau pour bien intégrer les deux teintes. Je vais intensifier un petit peu d'ailleurs ici. Je termine avec un coup d'estompeur propre sur tout le tour comme d'hab pour bien blender. Et du coup je vais pas mettre le noir, je vais mettre du marron plus foncé ici, le je sais pas. Voilà, le marron plus foncé ici, en coin externe. Bon, les chiens foutent le bordel, je suis désolée. Hein. Le voisin fait des travaux, donc l'autre, il est en train de gueuler comme un con. La petite a ses chaleurs, donc il est excité comme un con. Bon, ça va pas très bien avec ce pinceau-là, donc je vais prendre mon 231. C'est mieux. On n'oublie pas l'extérieur du racine aussi. Je reprends ce pinceau-là pour dégrader. Voilà, on va pouvoir passer au semi-cut crease. Donc, je vais nettoyer ma paupière. Donc, coton-tige et démaquillant. On m'a demandé d'où venaient ces coton-tiges. Là, c'est des coton-tiges de cosmétiques, hein, tout simplement. Là, ils viennent de chez Creutzwaldt, mais vous en avez partout, chez Auchan, chez Intermarché, partout. Donc, je nettoie mon creux. Je reprends ma base. Et mon pinceau que j'utilise pour le cut crease. Je vais prendre un pinceau plat, donc assez précis. Donc je prends le petit chez Boozy Shop, hein, que j'adore ces pinceaux. Je vais juste reprendre d'abord le... J'ai un poil.
ici, de sa déserte machin là, pour mettre ici en transition entre les deux autres teintes, enfin, entre le marron et le jaune que je vais mettre juste après. Comme il tire un peu sur le jaune, ça fera plus joli en transition. Je reprends le pinceau où j'ai mis le marron ici pour dégrader. Moi, c'est celui que j'ai utilisé pour le creux. Et je reprends celui-ci pour blender ici. Alors, je garde le même pinceau que je suis, tout simplement. Et je vais prendre le jaune juste à côté, ici. Donc, c'est Get the Shout. The Shot. Que je mets sur le reste de ma paupière mobile. On n'oublie pas de dégrader. Et j'en prélève un peu pour mettre à la partie interne de mon ras de cils. Alors, je vais juste terminer avec le petit jaune pâle de la Colorport qui est ici, dans les bleus. Hop, là, pour mon coin interne. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau boule. Je pense que ça sera mieux. Que ce soit assez diffus. Ah oui, par contre, j'avais pas encore noté la couleur de la muqueuse quand le nymphe a rempli son truc. Donc, je pense que je vais mettre du marron. Du marron, ça fait longtemps que j'ai pas mis du marron. Donc on va essayer avec l'embout mousse pour que ce soit un peu plus ah oui, on voit un peu mieux le pâle du jaune pâle. Alors, un crayon marron, je vais mettre le stag de chez Urban Decay en muqueuse supérieure et inférieure, trade liner avec le liquid ink comme d'habitude. Voilà pour le liner, mais c'est pas tout. Je vais quand même ajouter la Queen Touch. Hein. Ah, j'aime bien ce mot, la Queen Touch. Donc, je prends mon mixing liquide, je prends ma palette que je trouve plus. Marvelous Matte. Ma petite plaquette, si je la retrouve. Donc, je vais prendre le jaune ici, qui fait un peu tournesol. Et je vais faire juste ici un petit. Enfin, essayer de faire un petit tournesol. Un demi-petit tournesol. Ça marque pas très bien. Alors, je reprends tout de suite un petit pinceau assez précis. Je prends la même teinte et je vais repasser dessus avant que ce soit trop sec pour intensifier le jaune. Parce que je sais pas pourquoi le jaune, il a du mal. Donc, je tapote juste dessus un petit peu. On va laisser sécher. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, il a du mal à se mélanger le fard au produit. Je sais pas pourquoi. Première fois que ça me fait ça. C'est hyper cool, je comprends pas trop ce qui s'y passe. Mais on va arriver à faire quelque chose. Alors, je prends un autre pinceau liner. Je prends celui-ci parce qu'il est un peu plus. Non, je prends celui-ci parce qu'il a. Ah, parce qu'il est un peu plus dense. Je reprends la 24A. Et je prends le marron clair ici que j'ai utilisé dans le creux. Et je fais une petite forme à l'intérieur marroni pour donner un peu de relief. Je ne suis pas convaincue du rendu. Je crois que je viens de tout foirer. Alors, j'essuie mon pinceau. On va changer d'astuce. Donc, du coup, je prends le mixing liquide de chez Révolution et le Lemon Yellow des pigments pommades Pro. Des pigments pommades de chez Révolution Pro, je vais y arriver. Avec celui-là, ça devrait aller un petit peu mieux. Je sais pas pourquoi l'autre ça merde. C'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Donc du coup, je redécale les pétales entre les autres que j'ai fait, là, un peu plus foncé. C'est un peu mieux, mais je suis pas sûre que ça ressemble à un tournesol. Hein. Bon, écoutez. Maintenant j'ai fait, faut que je passe. Je sais pas vraiment si ça va ressembler à un tournesol. Alors, je reprends le marron avec mon petit pinceau liner un peu moins souple. On va faire le pistil juste ici. Je vais prendre le plus foncé pour le pistil. Bon, bah une chose est sûre, c'est que je suis pas doué pour les tournesols. Je reprends donc le plus clair pour ombrer un peu ici à l'intérieur du jaune. Voilà, et donc les tournesols, ça, des petits points noirs. Donc je vais prendre mon petit liner feutre là, que normalement j'utilise pour l'étoile. Et je vais faire des petits points dans le pistil. Voilà, écoutez, on va laisser comme ça. Je
Je ne sais pas si ça ressemble à un tournesol. Voilà, dites-moi ça, Nymphe, tu me dis ça aussi. Je suis un peu déçue du rendu, voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Bref, recourbe style et mascara et j'arrive. Voilà pour le mascara, donc j'ai retesté le 5D là et je ne suis toujours pas hyper fan. Il est beau, hein, je ne sais pas si vous voyez. Il est beau, hein, il définit super bien les cils par contre. Il les allonge quand même un petit peu, je trouvais qu'il ne les allongeait pas la première fois que j'ai testé. Là j'ai l'impression quand même qu'il les allonge un tout petit peu. Par contre, volume. Par contre, je vais le tester en première couche en dessous du Anastasia. On testera ça dans la prochaine vidéo make-up ou en vlog, je ne sais pas encore. On verra, 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 verra. Par contre, il a grande histoire d'amour, je l'aime. Alors, j'ai une petite touche ici. Là. Je ne sais pas c'est quoi qui m'a collé. J'ai pas mis de strass, rien pourtant. Mais voilà. Je ne sais pas. Alors, sur les lèvres, madame, je crève de chaud. Veux du noir. Donc, je vais d'abord faire le contour avec mon crayon noir que je mets dans mes queues. C'est le Peace. Je ne sais plus le nom. Mon rouge à lèvres noir de chez Sephora. Je te remercie parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le remettre et que je ne sais pas avec quel make-up le sortir. Elle veut du ombré avec le fard. Donc, je vais prendre les paillettes Dazzle. Ça me fera quand même un peu des paillettes quelque part. Pour mettre par-dessus le noir. Et je prendrai le gloss de ce truc NYX là par-dessus. Donc, je fais ça et je viens vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà ce qui conclut le make-up final, donc Nymphe, j'espère que ça te plaît. Voilà, j'ai un peu foiré les petits tournesols, ça ressemble pas vraiment à des tournesols, mes tournesols. Mais bon, le rouge à lèvres, j'adore Arcant avec le gloss, j'aurais pas mis le gloss moi personnellement. Mais des couilles, ça transfère. Ça bave. Mais voilà, je trouve qu'avec... on ne voit plus trop l'highlighter maintenant dessus. Mais ça fait joli, voilà. Écoute, Nymphounette adorée, j'espère que ça te plaît. J'espère que ça vous plaît à tous d'ailleurs, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est beaucoup plus. Vous avez le formulaire en barre d'infos pour remplir si vous voulez être tiré au sort. Oui, je triche pas tout le temps, hein, voilà, mais là j'avais envie. De toute façon, je fais ce que je veux. Donc, vous avez le formulaire en barre d'infos. J'ai chaud. Très, 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 très chaud. Écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la série de vidéos que je préfère tourner parce que c'est vous qui avez les idées et moi, j'essaye de les deviner. Enfin, vraiment d'imaginer ce que vous, vous avez eu en tête et que je dois reproduire sur ma tronche. Et j'adore ça. Donc, voilà. Maintenant, Nymphe, je ne sais pas si c'est ce que tu avais en tête. Bien sûr, j'ajoute toujours la petite Queen Touch. Elle va rester hein, longtemps, cette phrase-là, Queen Touch. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, de toute façon, on se retrouve encore demain, hein, puisqu'on continue la semaine et potentiellement la semaine prochaine encore, je ne sais plus, il faut que je regarde dans mon agenda. Mais tous les jours de cette semaine, au moins. Donc, bah écoutez, en attendant demain, moi je vous dis bisous, bisous.